Bonjour Église, bienvenue dans notre service en ligne. Partout où on est, louons Dieu ensemble. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché. Ton cœur ne soit pas
troublé. Relève la tête et ne crains qu'un mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Tu es fou amoureux de toi. Mon courage tient bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Son, hey, Jésus, prince des
Hey, welcome today. Bienvenue aujourd'hui. And so good to have you connected. C'est tellement bien que tu sois connecté. And maybe from one of our campuses. Tu fais sans doute partie d'un de nos campus. And we just want to say we love you. Et on veut juste dire qu'on t'aime. And it's so great to have church today online. Et c'est tellement bien que que l'église soit en ligne aujourd'hui. And what a beautiful time of worship. On vient d'avoir un magnifique moment and de worship together. Et de pouvoir louer ensemble. And I just want to encourage you. And you are watching online. Je vais t'encourager alors que tu regardes en ligne. And I believe you're going to be encouraged today. Et c'est mon désir que tu sois encouragé aujourd'hui. And I want to read from Psalm 139. Je voudrais lire des versets au psaume 139. And it says, where can I go from your spirit? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Where can I flee from your presence? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? If I go up to the heavens, there you are. Si je monte au ciel, tu es là. You are there. If I make my bed in the depths, you are there. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. If I rise on the wings of the dawn, si je prends les ailes de l'aurore, if I settle on the far side of the sea, pour habiter à l'extrémité de la mer, even there, your hand will guide me. Et là aussi, ta main me conduira. Your right hand will hold me fast. Ta main droite m'empoignera. Oh, I think that's beautiful to think. Wherever you're watching today, is that the Spirit of God can move into your home and into your heart today. Et c'est juste magnifique de penser que là où tu es aujourd'hui, en regardant en ligne dans ta maison, que l'Esprit de Dieu est là où tu es. There's nothing that can stop God from moving into your place. Il n'y a rien qui puisse empêcher l'Esprit de Dieu d'agir là où tu es. He wants to guide you. Il souhaite te guider. And he wants to hold you fast. Et aussi te tenir. What a beautiful God we have. On a un Dieu qui est magnifique. And you know, we just want to take a moment, we want to pray. Et donc, j'aimerais prier. Maybe there's people you're needing healing. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous avez besoin de guérison. Maybe there's situations in your family. Des situations au sein de ta famille. And we want to believe for the leaders of our nation. Nous voulons aussi prier pour les leaders de notre nation. And we want to believe that God will provide and meet everyone's need according to his riches. Ouais, et nous voulons aussi croire que Dieu puisse pourvoir pour tous les besoins en accord avec ses richesses. So Father, right now. Donc Père, Father, we come to you in the name of Jesus. Nous venons à toi dans le nom de Jésus. Father, we thank you, Lord God, that you would have your way. Et nous te remercions que tu puisses faire ta volonté. Mighty God. Dieu Tout-Puissant. The name of Jesus above everything. Le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Father, we believe right now that you are moving and bringing healing into situations. Et nous savons que tu agis au milieu de toutes les situations. Father, amongst families. Dans les familles. And Father, we pray right now for your peace. Et nous prions pour ta paix. Your understanding. Qui va au-delà de Seigneur que nous puissions comprendre. Father, we thank you. Nous te remercions. Father, be with our nations. Que tu sois Seigneur au sein de Father, nos nations. With the leaders. Avec les leaders. Father, in the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Have your way. Le nom tout puissant, fais ta volonté. And everyone said. Et que tout le monde dise. Amen. 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 Hey, right now we're gonna take a moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un moment. We're going to take a moment of communion. De Sainte-Cène. And Ben et Marine, our campus pastors in Lyon. Et Ben et Marine, qui sont nos pasteurs de campus à Lyon. Is they going to share around communion today? Vont prendre un temps pour partager autour de la Sainte-Cène. So we're going to go to Lyon right now. Donc c'est là où on va aller, à Lyon. And I believe you're going to be encouraged. Et que tu puisses être encouragé. Come, let's take communion together. Ouais. Prenons ce moment ensemble. Amen. Amen. Bonjour tout le monde, merci Pasteur Brendan et Camille de nous avoir permis ce moment privilégié que nous avons ensemble autour de la scène. Donc je vous invite là où toi tu te trouves d'aller chercher un petit peu de jus de raisin, un petit peu de vin si tu as et un bout de pain pour ce moment privilégié. On va se concentrer ensemble sur Jésus, c'est ça notre but de ce matin. Donc, chérie, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, comment Jésus instaure la scène dans Matthieu 26, les versets 26 à 29, nous allons nous concentrer sur lui. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang,
par lequel est scellée l'Alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient désormais pardonnés. Je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quel incroyable passage que nous avons ici dans Matthieu. Il faut se rappeler un petit peu la scène. Jésus lui-même, il se trouve au milieu des troubles, il se trouve au milieu des circonstances qui sont difficiles, il se trouve au milieu d'une tempête. En lui, il sait très bien, il va aller jusqu'au bout. Le lendemain, il va aller jusqu'à la croix. Et c'est pour ça qu'il choisit de rassembler encore une fois tous ses amis autour de la table pour pouvoir communier avec eux. Quelle image incroyable! Oui. Quel symbole fort que c'est! Jésus, il choisit, au lieu de regarder les circonstances, au lieu de regarder la tempête, il choisit de se concentrer sur les relations. Ça, c'est le message fort de la Sainte Cène. Il choisit les relations au-dessus des circonstances. Quelle image pour nous! C'est pour ça que Jésus a choisi toi et moi, nous a choisis. Et c'est pour ça, pour rétablir cette relation entre Dieu et nous qui était auparavant cassée, brisée, il y avait une séparation. C'est pour ça qu'il choisit d'aller à la croix. C'est pour ça qu'il choisit d'aller à la croix et de laisser son corps être brisé pour toi et pour moi. Donc je vous invite à prendre le pain, on va prier pour ça ensemble. Ça, c'est le symbole du corps de Christ. Chérie, si tu veux bien prier pour ce moment-là. Avec plaisir. Ensemble, on va prier. Yes. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te remercions pour le privilège de prendre part à cette sainte scène. Merci d'avoir donné ton Fils, Jésus, mourir à la croix pour nos péchés. Merci pour ce merveilleux plan de rédemption. Jésus, tu es notre sauveur et merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir donné ton corps pour nous, d'avoir enduré la souffrance, la mort et par tes meurtrissures à la croix, Jésus. Nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés et nous avons accès auprès du Père. Nous reconnaissons ton sacrifice à la croix pour chacun d'entre nous. Merci, Jésus. Amen. Amen. Mangez-en, c'est le corps de Christ. Amen. Amen. En même temps, ce symbole, le jus de raisin, un petit peu de vin, c'est le symbole de son sang. Son sang qui a coulé. Ça a permis qu'il y ait une nouvelle alliance qui soit établie, que la réconciliation soit possible, que le rétablissement de cette relation avec lui soit effective. Donc, moi, je vous invite, prenez ce jus de raisin, c'est le sang de Christ. Chérie, si tu veux prier pour ça également. Jésus, ton sang est tellement précieux. C'est celui qui a coulé à la croix pour chacun de nous. Et c'est ton sang qui nous purifie, nous lave de tous nos péchés. C'est ton sang qui nous offre le pardon et une nouvelle alliance scellée en ton nom. Merci car tu es venu sur terre pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et c'est par ton sang versé à la croix que nous sommes protégés de toute attaque, de tout virus, de toute maladie. Merci Jésus pour ton sang précieux. Merci d'un cœur reconnaissant au nom de Jésus. Amen. Amen. Buvez-en, c'est le sang de Christ. Waouh, quel moment fort que nous avons passé ensemble à travers les écrans. Et nous vous encourageons tout simplement à prendre peut-être la scène également avec votre Connect Group. Peut-être dans votre famille, vous voulez faire la même chose. Mais c'est le moment, dans ces circonstances difficiles, de se concentrer sur Jésus et de se rappeler quel prix il a payé pour toi et pour moi.
Ben, nous prions pour la bénédiction sur vous, sur Amen. La faveur de Dieu sur vous et la protection de Dieu sur vous dans ces circonstances. Et voilà, nous vous aimons fort. Allez, ciao, ciao, au revoir, bye bye. Bye. Well, thanks Ben and Maureen for that time of communion. Ouais, merci Ben et Maureen pour ce temps de Sainte Cène. And we love you. On vous aime. And you know, we're just so thankful for everything that's happening in our Lyon campus. Ouais, on est reconnaissant pour tout ce qui se passe dans notre campus à Lyon. And actually, in all of our campuses. D'ailleurs, tout notre campus. C'est clair. Hey, I want to bring the word today. J'aimerais apporter la parole. I want to talk about standing again. J'aimerais à nouveau parler de se tenir. We spoke about standing last week. Donc c'est ce qu'on a, on a parlé de ça la semaine dernière. And I believe we're called to stand always. Et bien sûr, on est appelé à se tenir. I want to talk about standing through a storm. Mais là, il s'agit de tenir ferme au travers d'une tempête. Have you ever had to stand through a storm? Est-ce que vous avez déjà fait face à une tempête? When you got a wind blowing against you. Mais ce vent qui souffle contre toi. You've got the rain. Il y a cette pluie. I don't know if you've ever been in that situation. Je sais pas si t'as déjà été dans cette situation. I've seen videos where people have literally been blown over by a storm. Mais on peut voir ces vidéos où littéralement les personnes sont poussées dans cette tempête. I don't know if you've been blown over by a storm. Je sais pas si tu as déjà été poussé dans cette tempête. I haven't yet. Ça n'a pas encore été mon cas. But I know the power of a storm. Mais je sais, je connais la puissance d'une tempête. I've never been in a storm with an umbrella. Je sais que j'ai déjà été dans une tempête et avec ce parapluie. And I've had that umbrella completely turn inside out. Et littéralement tout ce parapluie, donc c'est on peut dire se renversait. And I've got completely drenched. Ouais, est allé dans l'autre sens, on va dire, et je me suis retrouvée complètement mouillée. And I've had to stop. Et donc j'ai dû m'arrêter. In a bus stop or stop somewhere to get covered and weather the storm. Dans un abri de bus et me protéger du coup de la tempête. We all know what storms are like. On sait ce que c'est qu'une tempête. And I read from the Word of God that we can stand through a storm. Et on peut lire dans la parole de Dieu qu'on peut tenir et rester ferme au travers d'une tempête. I know when you read the Word of God, Paul the apostle. On peut notamment lire dans la parole Paul, l'apôtre Paul. He actually went through storms. Il a vécu une tempête. And we read in Acts 27 that he went through a massive storm. Et d'ailleurs en Acte 27 on peut lire justement qu'il est passé par une tempête mais énorme. And through the midst of that storm, he was able to face it. Mais pourtant, il a réussi à en faire face. In Acts 27. Acte 27. And in this chapter, you can read about this storm, so I encourage you to read this chapter. Ouais, je vous encourage à lire ce passage. And in Acts 27, verse 13. Verset 13. It says, when a gentle wind, south wind began to blow, they saw their opportunity. So they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Before very long, a wind of hurricane force called the Northeaster swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So we gave way to it and were driven along. Verset 13. Un léger vent du sud s'est mis à souffler. Et se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent violent qu'on appelle Euraquilon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. A little breeze turned into a big storm. Ouais, on voit cette petite brise qui devient une énorme tempête. But you know, I love it that Paul, he had some keys to stand in. Mais ce que j'aime, c'est de voir que Paul avait justement des clés pour tenir. I think a storm can often be the unknown. Je pense que c'est une tempête de... Il y a toujours beaucoup d'inconnus. Storms can be things that we face. Des choses auxquelles on fait face. You know, like we can face a storm at the moment, the things we don't understand. Des choses auxquelles d'ailleurs on fait face actuellement. In the midst of a virus. Au milieu de ce virus. Things that we don't understand. Des choses que nous ne comprenons pas. But how to storm, how to stand through a storm. Ouais, mais c'est l'idée, voilà, comment se tenir dans cette tempête. I think you read this passage of scripture and we see that in this storm, they couldn't see the stars. They couldn't get direction. Mais on voit notamment qu'ils pouvaient pas voir les étoiles. Ils n'avaient pas de direction. Oh, it says that they had to lighten and throw things off the boat. On peut lire qu'ils ont dû alléger le bateau en jetant
des affaires. The resource, the things to lighten the boat. Des ressources pour alléger le bateau. We see that they work together. On peut voir qu'ils ont travaillé ensemble. I think although a storm wants to attack and stop things, I think in the midst of storms we can learn things. Et je peux voir que ouais, la tempête clairement veut attaquer des choses, mais on peut aussi apprendre des choses. I think here we see that they learn in a storm to keep the bigger picture. On peut notamment voir que dans cette tempête, ils ont gardé une bonne perspective. I think we've got to learn sometimes through a storm is we actually find out what actually matters. Ouais, au travers d'une tempête, on finit par revenir vraiment à ce qu'il y a de la réelle importance. Our faith in God. Notre foi en Dieu. Our family. Nos familles. Relationships. Les relations. Those around us. Ceux qui nous entourent. Oh, we find out what matters. On réalise qu'il y a de l'importance. I think we can also find out through a storm how to unify. Et aussi comment s'unifier. Keeping held together. De que les choses the things that tie and bind us and hold us together. Les choses qui nous gardent ensemble proches. I just don't really want to talk about storms. Mais donc je suis pas là juste pour parler des tempêtes. I want to encourage you how to go through them. Mais ce que je veux faire, c'est vous encourager à passer au travers des tempêtes. Church, if you're watching online, how to go through them. Église, si vous nous regardez en ligne, comment aller au-delà. I love this. It says in Acts 27. Acte 27. Verse 29. Verset 29. It says, fearing that they would dash against the rocks, they dropped four anchors. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté quatre ancres à l'arrière du bateau. From the stern, and they prayed for daylight. Et ils ont attendu le jour avec impatience. I love it. They prayed and they dropped four anchors. Ils ont prié et ils ont jeté quatre ancres. I want to hear an anchor. Une ancre. An anchor is such a key to our lives. Est une telle clé pour nos vies. I don't think an anchor needs to hold us from moving forward, but hold us through a storm. Oui, pas celle de nous retenir en arrière, mais celle par contre de nous permettre d'endurer au travers d'une tempête. I would say don't hop on a boat without an anchor. Ouais, donc pas sur un bateau sans ancre. Not a very good idea. C'est pas une bonne idée. Is, you know, an anchor is such a key part of a boat. C'est une telle clé qui fait partie du bateau. Here it is. It's like back then they didn't have motors that were able to stop the boat. Ils n'avaient pas à l'époque ces moteurs qui faisaient en sorte que le bateau pouvait s'arrêter. Is that an anchor was such a key part of being able to stop and to navigate. Mais qui faisait tellement partie donc de la navigation pour pouvoir arrêter. I want to encourage you to every boat, every life knows how to use an anchor well. Mais qu'on puisse apprendre comme un bateau, que toutes nos vies puissent utiliser des ancres dans nos vies. An anchor. Une ancre. Keeps us from drifting. Nous empêche de dériver. During circumstances. Au travers des circonstances. Holds us firm. Nous tient ferme. Stops you drifting. Nous empêche d'aller à la dérive. I don't know if you've ever started here. If you're in a boat and you haven't put something down and you've ended up drifting a long way away from where you're meant to be. Ouais, parce que autrement on finit par vraiment dériver et d'aller tellement loin de là où on était censé aller. You know, an anchor is as strong as it's what it is anchored to. C'est aussi fort que là où c'est ancré. And that's what I love about being anchored in God. Ouais, moi c'est ce que j'aime du coup de le fait d'être ancré à Dieu. We're anchored in Jesus. On est ancré en Jésus. Who was, who is, and is who to come. Qui il était, qui est et qui est à venir. I love that he's firm. Il est through the ages. Ferme au travers des temps. We get to anchor in him. On peut ancrer nos vies en lui. Anchors are so important. Parce que ces ancres sont tellement importantes. I wonder what today, what anchors you would throw out. Donc je me demande, toi aujourd'hui, quelles seraient ces ancres que tu jetterais? Church, I want to propose four anchors today. Je voudrais en proposer quatre. Just in these next few minutes. Dans cette prochaine minute. To encourage you in this season. Pour t'encourager dans cette saison. To weather a storm. Pour passer de l'autre côté d'une tempête. To go through this season. Pour passer au travers de cette saison. Maybe you're at home. Peut-être que tu es à la maison. All day. Toute la journée. Télétravail. Ouais, au télétravail. You know, or maybe you're out and you're helping people. Ou peut-être que tu es à l'extérieur et que tu as du coup. Whatever you're doing in the moment. Malgré tout ce que tu fais en ce moment. That you know the strength of anchors to hold you firm through this season. Que tu puisses connaître la force des ancres qui te tiennent en ce moment.
The first anchor I want to propose is keep yourself anchored in your faith in God. Donc ce que je voudrais, donc la première, c'est de rester ancré, cette ancre d'une foi en Dieu. Don't ask why is this happening. On peut se demander mais pourquoi est-ce que ça m'arrive. Keep your faith in God. Mais garde ta foi en God's Dieu. Got a bigger picture. Parce que Dieu, God knows what to do. Il a cette grande perspective. Keep your faith in Him. Garde ta foi en lui. I love what Paul said in Acts 27:23. Donc au verset 23, Acte 27. It says, last night, an angel of God, to whom I belong and whom I serve, stood beside me and said, do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as he told me. Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. I have faith in God. J'ai confiance en Dieu. I love that an angel appeared. Et un ange qui apparaît et qui parle. Of the God he believes, an angel of the God he believes. Ouais, he belonged to. Donc cet ange qui appartient donc à Dieu, Paul croit. The Word of God. Et la parole de Dieu. I want us to encourage to put your faith in the Word of God. Sois encouragé dans la que ta foi soit encouragée dans la parole de Dieu. In Mark 11:22, it says, have faith in God. Oui, parce que Marc nous encourage à ayez foi en Dieu. Have faith in God. That's ayez confidence. Ayez foi en Dieu. Ça, c'est une confiance. Conviction. Une conviction. That God can. Que Dieu peut. That's an anchor. Et ça, c'est une ancre. I have faith in God through this season. J'ai foi en Dieu dans cette saison. I can't see beyond. Je vois pas au-delà. But I'm holding on to God. Mais je m'accroche à Dieu. Because He can. Parce qu'il peut. You know Romans 10:17. En Romains 10:17 says faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Ouais, que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Let the anchor go down of hearing faith, hearing the word. Ouais, donc que cette ancre descende, qu'on puisse entendre la parole de Dieu. What are you hearing at the moment? Et qu'est-ce que tu entends en ce moment? What are you letting be built into your heart and build strength into your heart? Qu'est-ce que tu laisses construire et être construit dans ton cœur? The word can't be chained, it can't be isolated. La parole ne peut pas être enchaînée, elle ne peut pas être isolée. The word brings change and it guides our path. Elle change de vie et elle conduit nos pas. And it builds faith. Et elle construit la foi. Establishes our lives and anchors us. Ouais, elle établit notre vie et elle nous ancre. Anchor yourself about what God says about you and about what He can do. Donc ancre ta vie par rapport à ce qu'il peut faire et ce qu'il dit de toi. The second thing is the anchor of hope. La deuxième, c'est cette ancre de l'espérance. Keep yourself anchored in hope. Que tu puisses rester ancré dans l'espérance. Hope keeps you anchored and connected to a brighter day. Ouais, parce que cette espérance te maintient connecté et fait en sorte que tu puisses voir du coup ce nouveau jour. Hope sees a better outlook. Cette espérance voit quelque chose de meilleur. I love it when you meet someone and you say, hey, I'll see you in a week. Ouais, c'est sympa quand tu parles avec quelqu'un et tu dis, hey, tu sais quoi, on se voit dans une semaine. I love it when my parents and when I left Australia. Quand je suis partie d'Australie, j'ai laissé mes parents. I remember I said to my mother. Je dis à ma mère. I said, hey, I'll see you in 6 months. Je lui disais, je vais te voir dans 6 mois. And I remember that gave her hope. Et je me rappelle, ça lui donnait de l'espoir. And so we looked forward to that day. Et donc du coup, elle pouvait se réjouir. On pouvait se réjouir de cette vie. See, hope gives future. Ouais, donc l'espérance te donne un avenir. See, that's why in Romans 15:13. Et donc c'est pour ça du coup que notamment on peut voir en Romains 15. Verse 13, it says, may the God of hope. Au verset 13, que le Dieu de l'espérance fill you with all joy and peace as you trust in Him. Vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Pour que vous débordiez d'espérance
par la puissance du Saint-Esprit. Overflowing with hope. Oui, il y a ce débordement d'espérance. That's what the Holy Spirit wants to do. Et c'est ça ce que le Saint-Esprit veut faire. I believe he wants to bring hope that overflows, that overboards. Ouais, cette espérance, elle déborde. In people's lives. Dans la vie des gens. In Matthew 12:21. En Matthieu. It says that in his name the nations will put their hope. 12:21, les nations espéreront en son nom. I love that we can put our hope in so many things, but it says the nations, France, Switzerland, Luxembourg, we will put our hope in Jesus. On peut mettre tellement d'espérance dans les choses, mais les nations je pense à la France, en Suisse, au Luxembourg notamment, qu'on puisse mettre notre espérance en Jésus. Obviously, Hebrews 6:19 says we have this hope as an anchor to our soul. We have this hope. Ouais, en hébreu, on peut lire notamment que cette espérance est une ancre pour notre âme. The anchor of hope. Cette ancre. The anchor. Cette ancre de l'espérance. Third anchor is keeping yourself anchored in His love. Et la troisième, de rester ancré dans son amour. Man, love anchors you. Ouais, l'amour t'ancre. Love is a powerful anchor. C'est c'est quelque chose de vraiment puissant. When you know you love, you meditate on the love of God. Quand tu sais que tu aimes, tu médites dessus. And you actually make His love. Et tu fais en sorte que son amour. Hein, as the most important thing in your life. Soit la chose la plus importante dans ta vie. Ah, oh, that will anchor you. Ça va t'ancrer. It will drive out fear. Et ça va chasser la peur. When God's love towards you means He is affectionate towards you, He loves you, He wants to be with you. Il y a cette affection, il y a le fait qu'il veut être avec toi. I love in Jeremiah 31 verse 3. Jérémie 31. It says that I have loved you with an everlasting love. Ça dit que je veux t'aimer d'un amour éternel. Everlasting love. Éternel. That's a strong anchor. Donc ça, clairement, c'est une ancre forte. It's an anchor through the generations. Qui va au-delà des générations. Through any situation. Au-delà de toutes les situations. He just doesn't love you because you seem to have done something good or that He loves you full stop. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, Il t'aime, il t'aime. Point final. God is love. Dieu est amour. And in perfect love. Et dans son amour parfait. It drives out fear. Du coup, la peur est chassée. In John 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ouais, 1 Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Verse 19. We love because he first loved us. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Think about his love towards you. Donc pense à son amour pour toi. That he would do anything to save you, to move into your life. Pour te sauver, pour agir dans ta vie. He is for you. Il est pour toi. And the fourth anchor, et la quatrième ancre, the final anchor, la dernière, is keep yourself anchored in community. C'est celle d'être ancré en communauté. Even online community in this season. Et donc même dans cette communauté en ligne, en keep connected. De rester connecté. To his community, keep on the boat. Reste sur le bateau. I love that Paul said, stay on the boat, don't leave. Ouais, il y a Paul qui dit, hey, vous. Sortez pas du bateau, vous ne partez pas. Why connected to community is wisdom? Parce que là où nous sommes connectés dans la communauté, il y a de la sagesse. Is encouragement. De l'encouragement. Is help, is strength. De l'aide, de l'encouragement. There's agreement. De la force. There's believing God together. De l'union, on croit en Dieu ensemble. I love in Acts 27:35. This is what Paul said after he said this. He took some bread and gave thanks to God in front of them all. And then he broke it and began to eat it. They were all encouraged and ate some of the food themselves. All together, there were 276 of us on board. Acte 27, 35. Après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous.
puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. They were all together. Ils étaient tous ensemble. United. Unis. This community. Il y avait cette communauté. You know, during this season. Donc, durant cette saison. You know, we can be in confinement. Nous pouvons nous retrouver donc confinés. Man, but don't let that stop you from reaching out to community. Mais ne laisse pas ça t'empêcher d'atteindre avec la communauté. Reaching out to connect. Donc de d'aller to be encouraged. D'encourager, be strengthened, d'être fortifié, and find people to pray and be united together and believe God in this season. De trouver des personnes avec lesquelles tu peux prier et tu peux te tenir unis dans cette saison. I love that. Stand in the midst of a storm. Se tenir au travers d'une tempête. I pray you're encouraged today. Donc moi j'espère que tu es encouragé aujourd'hui. I'd love to pray with you. Et j'aimerais prier pour toi. Father. For everyone, Lord God, today who's hearing this message. Donc, Père, pour chaque personne qui entend ce message. Father, I pray right now, Lord God, that you would strengthen their lives. Et donc, je prie à présent que tu fortifies sa vie. Father, that they would put anchors down to hold fast, godly anchors to hold fast in this season. Qu'elles puissent avoir donc ces ancres divines fortes pour leur vie. That faith would rise. Que la foi s'élève. Father, they'd be full of hope. Qu'elle puisse être remplie d'espérance. Your love towards us. Ton amour pour nous. Would grow, and I pray that puisse grandir. God, people would connect with one another and be strengthened. Et que les personnes puissent être connectées l'une à l'autre afin d'être encouragées. A faith-filled community. Une communauté remplie de foi. Father, in the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And maybe today. Et peut-être qu'aujourd'hui. Maybe there's others that you're listening, and this is the first time you've heard a message like this. Il y en a certains d'entre vous. Peut-être que c'est la première fois que tu entends un message. And maybe in this season. Et que dans cette saison. Maybe you're at a stage in your life where you know you need to know Jesus. Tu es dans une saison dans ta vie où tu as besoin de connaître Jésus. You've come to know that you need Jesus. Tu en viens à savoir que tu as besoin de Jésus. Friend, Jesus came and died and rose again. Jésus, il est venu. Il est mort, mais il est ressuscité. He came and did what you couldn't do. Pour faire ce que toi ne pouvais pas faire. He came to give you life now and forevermore. Il est venu te donner la vie et la vie éternelle. Do you know him? Est-ce que tu le connais? Not just heard about him. Donc pas juste est-ce que tu as entendu parler de lui, mais est-ce que tu le connais de façon personnelle? If that's you today, et si c'est toi aujourd'hui, we'd love to pray a prayer to come to know Jesus. On aimerait tellement te conduire dans cette prière afin de connaître Jésus. I'm going to pray a prayer in English, and then Cammy's going to pray a prayer in French. Brennan va faire cette prière en anglais, puis après en français avec moi. And I'm going to encourage you to pray along with us. Et je vais t'encourager à prier juste après avec nous. And to pray this prayer from your heart. Ouais, de prier avec nous et que cette prière soit faite de wherever façon sincère. Là où tu es. Dear Heavenly Father. I thank you today for your son Jesus, that he came and died and rose again for me, to give me life now and forevermore. And today I ask you'd forgive me my sin and my past, you'd come and live in my heart, and you'd be my Lord and Savior today, in the mighty name of Jesus. Seigneur, merci pour ton grand amour pour moi. Merci d'être mort et ressuscité, d'avoir fait ce que moi je ne pouvais pas faire. Seigneur, aujourd'hui, je veux te demander pardon. Pardon d'avoir vécu loin de toi, d'avoir péché. Et Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon et je décide de t'accepter, de te reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie, sois au centre de ma vie à présent. Je veux te connaître, je veux te suivre, je veux vivre pour toi, Jésus. Et donc, Seigneur, merci à Saint-Esprit de m'aider tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Can we just want to give you a hand for praying that prayer? Yes. What a fantastic tellement decision. Tellement bien. Ouais, on se réjouit. And if you pray that prayer in your heart and you'd love to connect with us, I know they're putting an email address on the screen right now. Ouais, donc si tu voudrais connecter avec nous, a priori, donc il y a cette adresse avec laquelle tu peux faire ça
sur l'écran pour nous tenir au courant de la décision que tu prends. And we'd love to help you in that decision to come to know Jesus. Ouais, on voudrait t'aider dans cette décision de connaître Jésus. Well, there's a lot of things happening in the life of the church. Ouais, donc il y a beaucoup de choses dans la vie de l'église. And maybe hey, one area is in regards to maybe your generosity and giving in the life of the church in this season. Mais notamment lorsqu'il s'agit de ta générosité. Why don't you have a look at the screen at ways to be able to give and to bring your tithe and to be generous in this season to the life of the church. Et donc, du coup, il y a encore une fois, donc sur l'écran, les différentes façons où tu peux faire ceci et dans cette saison de continuer à honorer Dieu. And to honor God in that. And there's other ways to connect. I know on this coming Tuesday, the 24th, we have a Kingdom Builders event online at 8 o'clock. Ouais, mais notamment pour connecter, il y aura en ligne. En ligne. Kingdom Builders le 24. And I know, just why don't you connect to us on screen, you'll be able to see how to do that. Tu pourras voir comment le faire. If you want to join an online connect group, let us know. Tu peux aussi rejoindre un connect group en ligne. And every morning, Monday to Friday, on Hillsong FR, matin at 8:45 on Instagram, you can connect with Cammy and I. Mais aussi une façon de pouvoir être aussi connecté, ça c'est tous les matins du lundi au vendredi à 8h45 sur notre compte, sur notre compte Instagram. Et donc tu vas pouvoir suivre ça pour être encouragé tous les matins. Also our youth ministry at 6 o'clock at night. Ouais. Et aussi le soir à 18h avec les jeunes. And right now, after this service, we are doing discovery online if you want to be part of that. Mais juste après, on continue en ligne avec Parcours Découverte. And if you want to connect to that, you can find out how to do that. Et tu vas pouvoir voir comment te joindre. And a lot of courses happening, Alpha as well, beaucoup during the week. Beaucoup de choses, Alpha notamment pour ceux qui ont pris une décision. Pour But Father, bless your people. Mais Seigneur, bénis chaque personne. Go before them this week. Tu as les défenses en toutes choses cette Strengthen semaine. Strengthen them, watch over them. Fortifie-les, sois avec elles. Father, may your face shine upon them. Que ton visage, Seigneur, And you be gracious unto them. Et Seigneur, merci pour ta grâce. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Be blessed, church. Soyez bénis. Have a great day. Bonne journée. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, prenez vie. Je vais chanter aux eaux secs. Jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau.